Dans cette nouvelle vidéo sur l'affûtage, je vais vous parler de la lime triangle de chez Valorbe. Donc, si on regarde un peu plus près cette lime, on remarque qu'elle se compose de trois grandes surfaces. Ces trois grandes surfaces, elles vont nous servir à créer l'angle de biseau et l'angle de coupe en même temps. Ensuite, on a aussi les bords de la lime. Bien entendu, il y en a trois aussi. Ces bords, ils vont nous servir à créer l'angle latéral. Si je mets une autre photo, on voit bien aussi ici cet angle latéral que crée la lime triangle. Pour terminer, comme sur toutes les autres limes plates, on trouve les arêtes. Sur la lime triangle, il y en a 6. Chaque fois à la jonction entre la grande surface et les bords. Donc c'est bien ici. Ces arêtes, elles vont nous permettre de relier la pointe de la gouge avec l'angle qui se trouve sous la gouge, en ayant bien sûr la bonne pente avec la lime dans le sens de la longueur. La technique d'affûtage, c'est la même qu'avec la lime goofy ou la trapèze double. Il faut régler l'orientation de la lime dans les trois directions. En fonction des angles qu'on veut obtenir sur les gouges, l'orientation de la lime se situe autour des 45 degrés dans les trois sens. Premièrement, on va régler la pente de la lime à plus ou moins 45 degrés dans le sens de la longueur. Ça, c'est ce qui va permettre à l'arête de la lime de relier la pointe à l'angle qui se trouve sous la gouge. Deuxièmement, on va aussi orienter la lime à 45 degrés plus ou moins dans le sens transversal par rapport à la chaîne. Ça, c'est ce qui va nous permettre de régler l'angle de coupe. Troisièmement, pour terminer, on va aussi régler l'orientation de la lime dans le sens de la largeur, toujours plus ou moins à 45 degrés. Ça, c'est ce qui va permettre à la lime de régler le biseau et le latéral en même temps. La chose la plus importante, n'oubliez pas de toujours bien placer l'arête de la lime sur la pointe de la gouge. Un plan plus rapproché pour vous montrer le travail du bord de la lime sur l'angle latéral. On voit ici que le petit latéral il est déjà formé. On voit aussi bien l'arête de la lime qui est positionnée exactement sur la pointe de la gouge. Et en dessous, on a déjà le goulet qui est formé. Je l'ai dessiné en rouge. Ça, c'est un problème qui est inhérent à la méthode de la lime plate. On a le même problème avec la lime goofy ou la trapèze double. Bien sûr, au fur et à mesure des affûtages, il faudra vider ce goulet avec la lime ronde. Alors, on vient de voir le bon positionnement de la lime dans la gouge. Maintenant, je vais aussi vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire placer l'arête de la lime plus bas que la pointe, comme ici.
Alors on le voit déjà, notre ami ici qui n'est pas très content. Si vous faites ça, vous allez créer deux angles différents sur l'angle latéral, ce qui vous donnera des très mauvais résultats de coupe, bien sûr. Et si vous faites le contraire, si vous placez l'arête plus haut que la pointe de la gouge, vous obtiendrez deux angles différents sur l'angle de coupe. Ça procurera aussi évidemment des très mauvais résultats. Il faut vraiment, j'ai toujours insisté dans toutes mes vidéos, placer l'arête de la lime exactement sur la pointe de la gouge. Alors sur cette gouge, j'en vois un petit peu mieux le goulet. Je ne vais pas vous refaire toute la théorie. Vous savez qu'il se forme à cause de la pente que l'on donne à la lime dans le sens de la longueur. Donc environ tous les 4-5 affûtages, il faut le vider avec la lime ronde. Un des grands avantages de l'affûtage à la lime plate, c'est de pouvoir varier les angles en fonction de ses besoins. Si on travaille dans du bois tendre, du résineux par exemple, on aura besoin d'angles un peu plus aigus que si on travaille dans du hêtre, dans du bois dur. Pour varier l'angle de coupe, vous l'avez compris, il suffit de changer légèrement la direction de la lime dans le sens transversal par rapport à la chaîne. Ça vous permettra de passer de 25 à 30 degrés ou vice-versa. Alors ça, c'est l'angle le plus facile à régler. En ce qui concerne le biseau et le latéral, c'est l'orientation de la lime dans le sens de la largeur qui va faire varier ses angles. Plus la lime est à plat dans le sens de la largeur, plus les angles seront aigus. Et si vous voulez des angles moins aigus, il suffit de redresser légèrement l'orientation de la lime dans le sens de la largeur. Pour bien comprendre la variation de ces angles, je vous ai préparé deux gouges. Celle de gauche, c'est plutôt pour le bois tendre avec un angle latéral assez prononcé, entre 75 et 80 degrés. Et celle de droite, avec un latéral autour des 85-90 degrés, plutôt destiné pour le bois dur. Les deux mêmes gouges filmées depuis l'autre côté, alors on remarque bien que l'angle latéral et le biseau sont liés entre eux, c'est-à-dire que si l'angle latéral est assez aigu, le biseau est assez aigu lui aussi. Et au contraire, si l'angle latéral n'est pas très prononcé, l'angle de biseau n'est pas très prononcé non plus. Indépendamment des angles qu'on veut donner aux gouges, l'arête de votre lime doit toujours relier la pointe avec l'angle qui se trouve ici sous la gouge. On voit bien que le trait qui a créé l'arête de la lime n'a pas le même angle sur les deux gouges. L'explication, elle est toute simple. En fonction de l'orientation qu'on donne à la lime dans le sens de la largeur, on change la position de l'arête par rapport à la pointe. Plus on met la lime à plat dans le sens de la largeur, plus on obtiendra des angles aigus. Mais en faisant ça, on relève l'arête par rapport à la pointe. Donc on est obligé de diminuer légèrement la pente dans le sens de la longueur pour replacer l'arête sur la pointe. Maintenant, au contraire, si on met la lime moins à plat dans le sens de la largeur, on obtient des angles beaucoup moins aigus, mais on remarque que l'arête s'abaisse par rapport à la pointe. Donc on est obligé d'augmenter légèrement la pente dans le sens de la longueur pour replacer l'arête sur la pointe. Voilà pourquoi on a ce trait de l'arête qui varie sous les gouges en fonction des angles plus ou moins aigus du latéral et du biseau.
La lime triangle, si on la compare à la goofy ou à la trapèze double par exemple, c'est certainement la plus solide des limes plates. Elle vous permettra d'aiguiser quasiment deux chaînes en entier en utilisant tout le temps la même lime. N'oubliez pas par contre que cette technique d'affûtage s'effectue uniquement sur les chaînes angulaires, les chaînes carrées comme certains les appellent. Les chaînes que j'emploie le plus souvent pour l'affûtage à la lime plate, alors il y a l'Oregon LGX, l'AEXL, la Husqvarna X-Cut, la Steel RS et la Cox Super Carré. Alors j'ai pas essayé toutes les chaînes angulaires qui existent sur le marché, il y a certainement encore d'autres marques qui s'adaptent très bien à ce type d'affûtage. Alors, je voulais encore vous montrer ce qui peut se passer si vous débutez l'affûtage avec la lime triangle sur une chaîne neuve. Il se peut que vous ayez la lime qui se coince entre le limiteur et la gouge. Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions pour remédier au problème. Moi, ce que je fais en principe, c'est que les 4 ou 5 premiers affûtages, je les fais avec une lime goofy. Je vous conseille de ne pas forcer, parce que vous allez vraiment abîmer votre lime contre le limiteur. Alors le problème de la lime qui se coince sur une chaîne neuve, vous allez le rencontrer sur les deux chaînes Oregon, sur la Steel, la Cox aussi. Par contre, sur une X-Cut neuve, la lime triangle, elle passe sans problème. Alors on va regarder ça plus en détail. Donc une X-Cut neuve sortie de la boîte, jamais affûtée. Si je mets une triangle en place dans la gouge, on le voit bien, la lime ne touche pas le limiteur. Donc pour tous ceux qui emploient du matériel Husqvarna, des chaînes en 3/8, je vous conseille d'utiliser la X-Cut. Vous pourrez directement débuter avec la lime triangle sur la chaîne neuve. Je voulais encore juste préciser que lorsqu'on aiguise une chaîne neuve, on peut très bien conserver l'angle latéral d'origine. Par exemple, sur cette gouge, j'ai mis seulement 6 coups de lime triangle. On voit très bien que ça suffit à former le biseau. Et le latéral que crée la triangle se formera au fur et à mesure des affûtages. Voilà, pour conclure, je dirais, essayez cette lime triangle. C'est vrai qu'en théorie, ça n'a pas l'air si simple. Mais vous verrez qu'avec un peu de patience, on arrive à obtenir des très bons résultats de coupe. J'en profite encore pour répondre à une question qui m'a souvent été posée au sujet des limiteurs de profondeur. Alors moi j'utilise tout simplement ces gabarits, un côté pour le bois tendre, un côté pour le bois dur. Sinon je peux encore vous montrer la référence de la lime pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à faire vos débuts avec la lime triangle.
Yeah.